Hey, et donc salut à tous les amis, c'est Gogo08 et on se retrouve aujourd'hui pour la réponse des questions de la FAQ. Donc j'avais fait une FAQ pour les 1000 abonnés, je vais y répondre à vos questions. Alors la première question c'est de Nicolas Couture. C'est quel âge as-tu, Gogo0890? Alors mon âge, j'ai 18 ans, je vais sur mes 19 ans, donc voilà. Ensuite encore Nicolas Couture qui me dit... Et continue les vidéos, on t'adore, ok. Non, il me pose comme question, quelle activité extrascolaire fais-tu? Alors, à part jouer, je fais du quad aussi. J'adore le quad, j'aimerais bien en faire en compétition, en faire dans un club. Et donc m'y mettre vraiment beau à fond là-dedans. Donc voilà, activité extrascolaire, c'est le quad. Ok, après on a une question de Kuba qui me dit ton mot de passe préféré. Alors j'ai pu en faire énormément des mots de passe qui partent de la 1.6 ou même un peu avant, mais je filme pas encore, je crois que j'ai commencé vers la 1.6. Il faudrait que je vérifie. Mais c'est vrai, mon mot de passe préféré, j'en ai... Enfin, c'est pas que j'en ai pas, mais c'est que c'est un peu différents modes qui me plaisent. Il y a le Infinity Evolved que je vous ai fait. Celui-là m'a énormément plu, il était franchement pas mal. Mais il manquait quelques modes qui me plaisent aussi énormément. Le mode pack que je vous fais en ce moment, donc le tout nouveau mode pack là, qui vient juste de sortir sur ma chaîne, un mode pack perso, je l'aime encore plus, je crois. Même s'il est assez gros comme mode pack, il y a pas mal de modes que j'aime bien. Il y a des modes que j'aimais bien qui ne sont pas dedans. Donc voilà, c'est quel mode pack préfères-tu? Pour l'instant, je pense que c'est l'Infinity Evolve. Pour les modes pack que j'ai testés. Après, il y a d'autres modes pack en 1.6 que j'aimais bien avec Industrial Craft, mais c'était les anciennes versions. On faisait des choses vraiment énormes. Quand il n'y avait pas encore Applied Energy Stick, on faisait tout avec Buildcraft. Donc voilà, c'était cool ça. Ok. Alors, après, on a un commentaire de Théo Basile qui me dit tu habites où? Alors, je vais pas dire où j'habite, hein, mais j'habite, comme vous pouvez le voir dans mon pseudo, dans les Ardennes, donc dans la Champagne-Ardenne, et plus particulièrement dans les Ardennes. Donc voilà. Ensuite, on a une question de Yves-Henri Mads. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Alors c'est tu feras des séries abonnées ou pas? Alors est-ce que je ferai des séries abonnées ou pas? J'y ai déjà pensé. J'y ai déjà pensé, mais c'est beaucoup de boulot. Il faut avoir vraiment plus de temps. Moi j'ai pas assez de temps pour faire une série abonnée. Je pense que plus tard, enfin plus tard, d'ici peut-être les vacances les vacances d'été ou un peu après, si j'ai un peu plus de temps, je penserai à cette question-là et peut-être qu'on fera une série abonnée, soit sur un mode pack, soit sur des maps normales ou soit sur un serveur vanilla, on verra bien. Dans tous les cas, je garde ça en tête pour un peu plus tard. Donc, tu feras des séries abonnées ou pas? Peut-être. Après, on a une question de Super Connard, donc c'est pas le vrai, hein, bien sûr. C'est tu t'appelles comment? Tu as quel âge? Quand as-tu commencé YouTube? Feras-tu que du Minecraft? Alors, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Je m'appelle donc Hugo. Quel âge as-tu? Donc, j'ai répondu tout à l'heure, j'ai 18 ans, je vais sur mes 19 ans. Quand as-tu commencé YouTube? Alors, j'ai commencé YouTube il y a un moment, mais je me suis remis à YouTube, donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je dis je me suis remis à YouTube, c'est vraiment repris les vidéos. Je pense que j'ai repris les vidéos, ça datait de 2014, donc ouais, ça doit faire 2 ans. 2 ans que je reprends vraiment les vidéos
enfin je refais du gameplay quoi. Donc à partir de 2014, ouais, ça fait 2 ans à peu près. Mais j'ai commencé YouTube il y a allez, on va dire 3 ans. Ok. Ensuite on a une question de IA The Boss. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo aussi. C'est tu peux nous donner le lien du texture pack de ton LP modé. Alors, le texture pack que j'utilise pour tous mes let's play modés, c'est le Faithful modé. Oui, donc c'est le Faithful modé. Et j'ajoute aussi un autre pack avec. Donc j'utilise donc le Faithful modé et j'utilise le Matox pack. C'est juste en fait pour avoir le beau ciel avec les nuages et tout, comme vous pouvez le voir. J'apprécie, ça donne un peu plus de beauté à la chose. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite on a une question, donc la dernière question, qui est de The Dark Warf. C'est coucou, est-ce que tu pourrais faire de LP sur des maps aventures? Alors, petit retour dans le passé. J'avais fait une série sur une map aventure. Donc j'avais fait une série sur une map aventure, même plusieurs, je crois que j'en ai fait plusieurs, faut que je vérifie. Mais j'en avais fait sur... comment c'était? Ah oui, j'avais fait une spéciale Halloween sur une map aventure, j'avais fait aussi une map survie, j'avais fait la super hostile, enfin les maps super hostiles. Et puis j'avais fait dans mes toutes premières vidéos... Mais vraiment quand j'étais gamin, quand je voulais, je fais du YouTube, voilà. Ok, c'est cool, mais en fait, voilà, c'était pas terrible. C'était sur du small block. Et en fait, on était enfermé dans une grande maison avec tout qui était géant et nous tout petits. Il fallait qu'on fasse des objectifs. Donc voilà. Donc peut-être que je referai des aventures, si ça vous plaît, des aventures sur des maps aventures, enfin des vidéos sur des maps aventures. Et j'avais fait aussi une petite série PVP, bon je me filmais juste mais je parlais pas, alors peut-être que je parlerai dans les prochains. Si ça vous plaît, j'en referai peut-être en continuant bien sûr mon Let's Play modé qui est ma série principale et celle que je préfère. Donc voilà, donc sûrement en type d'aventure que je vais faire sur ma chaîne, comme je vous ai montré, de toute façon il y a le lien de ma chaîne, enfin de ma vidéo de présentation que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Avec comme série principale mes let's play modés. Ensuite il y aura les tutos de mod que vous me proposez. Et aussi peut-être des vidéos de PVP ou des choses comme ça. Et peut-être, je dis bien peut-être, bientôt des vidéos sur d'autres jeux. Je verrai bien. Donc voilà, sur ce, on a fini la petite FAQ. Les questions de la FAQ sont terminées. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie encore des 1000 abonnés et n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à regarder mes vidéos, à mettre des petits pouces bleus, à mettre des petits commentaires, ça me fait super plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye, salut les amis.